Déchargé. Moi à mon tour, vous avez dit, moi à mon tour, je me fais fort. Je vous remets les documents nécessaires à la compréhension de tout le processus électoral, à commencer par la Constitution, le code électoral et les réclamations et contentieux. Tout est là-dedans pour vous permettre d'agir juridiquement à bon droit. Monsieur le ministre, voilà. C'est juste de mettre également à M. le ministre d'Alain Dédé. Comment? D'accord. Monsieur le ministre, il y a jamais de petit courrier. Un courrier est un courrier. Merci beaucoup. Je le reçois également. Vous ne souhaitez pas qu'on le décharge ou bien ça va? D'accord, je vais décharge. Monsieur le Président, je suis certain que dans le cadre de cette petite cérémonie, il y a prévu une photo de famille de protocole d'information. Si cela ne contrarie pas. Oui, dans le respect des mesures. Il n'y a pas de problème, enfin, la mesure, on n'a pas fini de régler le contentieux. Non, mais on est en famille. Bon, voilà. Moi aussi, je descends. Aïe, je me dis pardon. Je me dis pardon. Oui, c'est la même chose. C'est la même communication. Président, on peut vous acheter juste deux petits mots, la délégation. Reculons un peu. S'il vous plaît, bougeons légèrement sur le côté droit. Partez. Alors, monsieur le président, dites-nous que vous avez tout dit.
dans la salle, c'est vrai, mais est-ce que vous sortez de cette rencontre satisfaite? Écoutez, nous sommes venus ici parce que à la lecture, comme on a dit, la liste provisoire, la liste électorale provisoire, nous n'avons pas vu le nom du référent politique de l'EDS, le président Laurent Gbagbo. C'était de nos devoirs, de notre devoir. Donc, d'être soumis à certains honneurs, d'aller à la source, demander pourquoi le président, la raison pour laquelle, la raison officielle pour laquelle le président Laurent Gbagbo ne fait pas face à la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo est un citoyen, un ancien président de la République Côte d'Ivoire. Nous avons été surpris de ne pas avoir son nom. Nous avons été reçus par le président de la CENI. Je dois dire qu'il a reçu très chaleureusement. Donc, vous avez constaté que les échanges ont été très cordiaux. Et nous avons fait état de tous les cas de figure qui pourraient justifier le fait qu'un citoyen ivoirien ne soit pas sur la liste électorale. Nous avons compris ce qu'il a dit. Nous avons compris aussi ce qu'il n'a pas dit. Et nous allons nous préparer pour le contentieux électoral et pour prouver que le président Laurent Gbagbo mérite et devra être inscrit sur la liste électorale. C'est un droit. On va jouer de ce droit. Et nous allons apporter la preuve. Le président Laurent Gbagbo, nous l'espérons et nous le pensons. Toutes les conditions pour être sur la liste électorale. Qu'est-ce qui vous a été dit réellement? Quels sont les motifs du retrait? Les motifs, précisément pour la radiation, d'une part, mais le fait que la personne pourrait ne pas jouir de ses droits civiques et politiques, et deuxième cas, le décès. Par la grâce de Dieu, le président Laurent Gbagbo est encore avec nous, il sera encore pendant longtemps. Ce que moi, si la majorité des Ivoiriens le souhaite. Donc, il reste le premier cas. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit, il a dit, nous avons compris ce qu'il a dit, nous avons compris aussi ce qu'il n'a pas dit. Donc, c'est le premier cas. Et donc, ça vient du fait que la personne ne jouerait pas de ses droits civiques. Et nous avons dit que nous avons eu toutes les procédures. Le contrat est sous le 5. Nous, nous allons nous apprêter pour ce contentieux, pour démontrer que le président de la République mérite d'être sur la liste. Merci. Merci.